Je sais que ce n'est pas nécessairement le pointage auquel vous attendiez, mais quand même, vous venez de prouver à tout le monde que vous êtes en mesure de rivaliser avec l'équipe numéro 1 mondiale. Bien, effectivement, on a été en mesure de marquer le premier but, donc c'était une bonne chose. Bien évidemment, on a joué contre les meilleurs au monde, donc on s'attendait à un combat du début à la fin. Ils ont réussi à marquer vers la fin du match, donc c'est un peu décevant, mais je crois qu'on peut être fiers de la performance qu'on a donnée. Notre ligne défensive a été comme très solide, il n'y a rien qui a passé, puis pourtant, c'est des jeunes qui viennent tout juste de se joindre à l'équipe, donc voilà, c'était une belle performance d'équipe. C'est ce que j'allais dire. Les jeunes ont été incroyables ce soir. Ça montre à quel point vous avez de la profondeur pour les prochaines années. C'est incroyable. Exactement. Je crois qu'en fait, ils arrivent avec une confiance qu'ils peuvent jouer à ce niveau-là et ça fait toute la différence. L'étoile du match, ça serait qui selon vous? J'irais sûrement avec Kedisha. Elle a arrêté Wambach sur toutes ses actions. Elle était en train de pogner les nerfs. Je crois qu'elle lui a donné du fil à retordre et en plus, elle a marqué notre seul but du match. Donc, On parle d'un match amical. À chaque fois qu'on affronte les États-Unis, peu importe le sport, il y a quand même une rivalité, il faut dire, avec les voisines du Sud. Bien, effectivement, en fait, ils ont un jeu qui est très physique, donc ça l'amène un peu cette rivalité-là, en fait. Donc, on sait que ça va être un combat physique à chaque fois, donc c'est un peu ça, la rivalité qui est derrière tout ça. Est-ce que c'est facile de rester dans notre plan de match quand, justement, l'autre équipe joue un peu plus physique? Est-ce qu'on n'est pas porté à jouer leur type de jeu? Bien, oui, on va répondre à ce qu'ils nous donnent comme jeu physique, mais ça nous change pas notre stratégie de match. On sait qu'ils jouent comme ça, on est prête à affronter ce combat-là et on fait juste tenir notre plan de match, puis on reste solide, on garde la tête froide, puis on continue à travailler fort.